Musique, théâtre, littérature, cinéma, c'est tous les matins, c'est la sortie du jour de Diane Chénouda sur Europe 1. Bonjour Diane. Bonjour Maxime. Alors la sortie du jour, eh bien c'est au théâtre ce matin avec un grand classique, Phèdre, qui est monté au Théâtre du Nord à Lille, avec une mise en scène puissante. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dont mon âme est perdue. Mes yeux ne voyaient plus. Voilà, c'est le fameux monologue de Phèdre qu'on connaît tous, qui brûle d'amour pour son beau-fils Hippolyte, une Phèdre malade d'amour, cette passion coupable qui coule dans ses veines comme un poison, une Phèdre portée ici par Cécile Garcia-Fogel avec une voix d'outre-tombe qui vient des tripes, un look à Barbara. C'est une belle astuce du metteur en scène Christophe Rock pour exprimer cette furie de Phèdre, son égarement et ici un côté rapace. Mon mari est mort à la guerre, je venais d'avoir 18 ans. Je suis parti des chansons, c'est-à-dire que souvent les chanteurs m'aident, les chanteurs à texte, que ce soit Brassens, que ce soit Brel, ou là en l'occurrence Barbara, parce que aussi Cécile Garcia-Fogel qui interprète Phèdre, c'est aussi inspiré de Barbara. Elle est brune comme ça, elle est toute sombre, toute noire. Et je leur disais, ben voilà, on va travailler comme ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit ennuyeux. Il fallait y penser, c'est original, Barbara pour Phèdre. Ah oui, et alors le retour de Thésée, le mari de Phèdre qu'on croyait mort, est ici spectaculaire, Maxime. Il revient en Minotaure, puis joue presque nu en slip recouvert d'une énorme peau de bête qui renforce son côté animal et cette toute puissance sur son fils, un Hippolyte d'ailleurs ici très émouvant et jamais ennuyeux. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte et le voyant sans cesse même au pied des autels que je faisais fumer. Phèdre, le chef-d'œuvre de Racine à voir au Théâtre du Nord à Lille jusqu'au 23 novembre et ensuite il y aura une tournée. Merci Diane Chénouda. La météo avec Page Jaune, plus que des coordonnées. Horaires, itinéraires, avis, bon plan.